Allez, c'est parti. Bonjour à tous. Hi, everyone. So today it will be for beginners. So it means that it will be in English and in French. So let's take the time, as usual, to say hello to the persons who are here. And by the way, if you didn't have the chance yet, don't forget to click on the like. As you can see here, it would be really nice. The idea will be to try to reach, as usual, the 100 likes for this lesson. Darktainer is with us, Ashwati. Là. BTS, je suis présent. Anvi, bonjour, vous avez lu Papa de Simon. Qu'est-ce que c'est? Joël est là. Mar est là. Yossi, bonjour. Victoria Possé, bonjour. Rupa, bonjour. Cosmina Bellou, bonjour. Vouslat est avec nous. Soukania aussi. Fatima, coucou. Lynn, coucou. Yulia qui nous dit... Ah ben je vais peut-être demander le mot du jour. André est avec nous. Felipe aussi. Luciana, Learning Languages. Nada, Il Mondo. Meditator nous rejoint également. Well, we can start right now, I guess, and then we'll see if the others will join after. Allez, Florie is joining and Ingrid too. Bonjour, bonjour. Participez, participez. So the song of the day, as you probably know now, I try to invite you to discover a French song in each lesson. So the song of today is a beautiful, beautiful and quite popular song from Francis Cabrel. It's not a brand new one, but it's La Corrida, which is one of the most liked French songs among French people. So this is something that you should definitely try to listen to if you don't know the song, and look at the lyrics too, because it's a really really beautiful song. Voilà, Diane Arte nous rejoint, bonjour, et Monsieur Walid aussi. Allez, so don't forget to click. Remember that Prince et Princesse, Michel Oslo. If you don't know Michel Oslo, he's a great, great director and been doing some animations and really special and extremely beautiful animations. So this is Prince et Princesse and it's a beautiful, beautiful one. Allez, 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 la question du jour. La question du jour. Quelle est votre technique pour vous souvenir de boire de l'eau? Somebody told me that my skin was too dry, which is true, because this is what happens during the winter here. It's extremely dry, and of course I don't always remember to drink enough water. Quelle est votre technique pour vous souvenir de boire de l'eau? Alors, attendez une petite seconde. Ooh, nobody told me that I was not clicking. I'm sorry about that. So, la chanson du jour, Francis Cabrel, One More Time. Prince et Princesse from Michel Oslo, which is extremely great. And now, look at that, look at that. You've got la question du jour, the question of the day. Quelle est votre technique pour vous souvenir de boire de l'eau? So, now you've got the slides. Merci. Alors, Il Mondo nous rejoint, Hilary nous rejoint aussi, et puis Shashank nous rejoint. Cheryline est là avec le petit koala, comme d'habitude. Sundar, bonjour à vous, on espère que vous allez bien. Alors, Il Mondo,
Écrire sur ma main le mot de l'eau, peut-être. Julia, gardez la bouteille d'eau près de vous et pendant la leçon. Ben oui, mais j'ai du jus d'orange, c'est pas mal le jus d'orange aussi. Strange 73, je garde 4 bouteilles près de mon bureau. Oh, donc 4 bouteilles, 4 litres ? Incroyable. Vous allez tout le temps aux toilettes. C'est ça le problème. Darktainer, je bois toujours de l'eau. Ah bah oui, mais Darktainer, I was expecting some tips now. Hein? A good advice. Luciana, j'emporte une bouteille d'eau avec moi. Learning languages, je n'ai pas une technique pour me souvenir de boire de l'eau, si c'est naturel. Edgley, bonjour, bonjour Edgley. Luciana, j'emporte. Oui, vous pouvez dire j'emporte, hein, de préférence avec l'apostrophe. Monkey, bonjour Monkey. Oh, Monique, pardon, excusez-moi, Monique. Yossi, pas de grande technique. Quand j'ai soif, je bois. Oui, mais Yossi, il y a deux catégories de personnes. Il y a les gens qui boivent naturellement. Nicolas fait partie de cette catégorie. Et il y a les gens qui ne boivent pas naturellement. Et je fais partie de cette catégorie. Anvi, je me souviens de la beauté. Alors, attendez une petite seconde. Je clique sur Julia qui était bloquée. Je ne sais pas pourquoi. Alors, regardons. Denora, bonjour. J'aime beaucoup le thé et je peux en consommer beaucoup. Tenzin qui nous dit bonjour. Bonjour Tenzin, participez. Cosmina, je n'ai aucune technique pour boire de l'eau. Je bois de l'eau quand j'ai soif. Mais un dicton dit, l'eau n'est pas bon, même pas en botte. Je ne comprends pas, Cosmina. Je ne comprends pas. L'eau n'est pas bonne, même pas en botte. Qu'est-ce que ça veut dire ? Andy, je bois quand j'ai soif. Nada qui nous dit, il faut que tu boives de l'eau toutes les 2 heures. D'accord. Julia qui dit, on est d'accord, le jus d'orange, ce n'est pas de l'eau. Mais il y a de l'eau dedans, non ? Aaron qui dit, bonjour. Bonjour, Aaron. Sundar, je n'ai pas de technique pour me souvenir de boire de l'eau. Je n'ai besoin que d'une technique, ça arrive naturellement. Bah oui, bien sûr, bien sûr. Alors attendez, Ice Cubes nous rejoint. Hop, je clique sur vous. Mercurial qui parle dans une autre langue. Kania qui nous dit, moi j'ai toujours soif car j'habite dans un pays chaud, donc je n'ai pas besoin d'une technique, ça arrive naturellement. Bah oui. Victoria Possé, je n'ai pas de technique, j'ai toujours une petite bouteille à boire à mes côtés. Felipe qui dit, je pose une bouteille d'eau près de moi. C'est peut-être ça la technique. Hein. Cassandra, bonjour, comment ça va ? Lynn, c'est pour moi une habitude féminin. Chaque matin, je bois un verre d'eau quand je me lève et je bois quelques verres donc plus tard pendant la journée. Hilary qui dit, je porte une bouteille colorée avec moi. Pourquoi Hilary là ? Donc une couleur pour visualiser, pour remarquer la bouteille. Ice Cubes qui nous rejoint, donc Meditator, je bois du thé vert à la place. Peut-être que je devrais faire ça. Rupa, pour moi, une technique est de boire de l'eau très vite. Comme ça Rupa. Cul sec, l'expression. Edgley qui dit bonjour à Luciana. Très bien. Alors, Monsieur Walid qui nous dit je bois quand j'ai soif. Et c'est très bien. Luciana qui dit bonjour à Edgley. Ice Cube, je n'ai aucune technique. Ou on dit technique naturelle. Oh, 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 peut-être. Monique, je porte une bouteille de gymnastique, mais je préfère le thé. Eh oui. Cherylyn, ma technique, les mécanismes de régulation. Homéostatique mêlé par l'hypothalamus, bien sûr. Mais oui, mais bon, ben oui, mais Cherylyn, moi je voulais une vraie technique, un conseil. Vous, Slade, je mets une bouteille d'eau naturelle sur la table basse et j'en bois jusqu'à ce qu'elle soit vide. Comme ça, je bois 2 litres d'eau par jour. Tiens, ça, c'est intéressant, ça, effectivement. Mercurial, c'est pas grave. Pas de problème, ne vous inquiétez pas. Cassandra, j'ai un très grand verre d'eau à côté de moi pour me le rappeler. Ben oui, c'est ce que je fais avec ça, oui. Merci beaucoup. Mercurial qui dit, je bois du jus et je mange beaucoup de légumes. Merci. Thank you.
Ali, so we'll do this exercise that we've been starting last week. Écoutez bien, so listen carefully. The idea, of course, is to try to dissociate some words that are extremely close phonetically. And I've been noticing, I guess, three or four lessons ago that we had some difficulties with the sound E and the sound E. And I promise to you that we will work on that until you won't make any mistakes. So this is something that we will do systematically. Attention, attention. So I will read one, d'accord? And as usual, I'm not expecting you to put the letter, but I'm expecting really you to write the word that you will hear. D'accord? On y va, because this is for beginners. I'm nice and I will read it twice. Ramer. Ramer. So try to write it, please. Alors, c'est intéressant, it's quite interesting, because it seems that you are still, most of you, making the mistake. So it's the first one, you need to get warm. Your ears are not really ready yet, and this is the reason why. Look at that, look at that. This one is, in fact, it was the second one. So the second one, I've been pronouncing it, Ramer, me, 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 it's really open, it goes, Ramer, d'accord? So let's look at the two options now. I will read them, voilà, it's working. So the first one, R, I mean, we agree that we've been covering that previously. It can be E accent aigu, it can be E accent aigu, E, E, Z, E, R, it will be pronounced the same way, and it will be E. The one that goes down. E. It's not open at all. D'accord? The second one, the one that you can see here blinking. So the one that we had to find. It's ramé. Really, really open. Ramé. Mé, 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 mé. D'accord? So one more time. The first one, ramé. And then the second one, ramer, mais, 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 mais. D'accord? Don't worry, Yossi. Yeah, I saw that some of you wrote correctly the thing. But it seems that most of you wanted to go for the first one. Alors, attention, don't forget to write the thing that I am reading, d'accord? It's a good exercise for you to, in fact, be able to remember how to write it. Attention, attention. Réparer. Réparer. Write it, please. Alors, allô, Kaisa is joining us. Bonjour, bonjour. Olga is joining us too. Bonjour, bonsoir Olga. Alors, now it seems that it's getting better and better. So in that case, yes, I was pronouncing the second one. So the open A, d'accord? So one more time, I will pronounce the one that is blinking on your screen. Ré, pa, ré, e, e, e. Réparer. So that was the one that I wanted you to write. So let's look one more time at the two options. So the first one is the one blinking here, the E sound. Réparer.
D'accord? Réparer. This is the one. Then after that, if you look at the second one, the one that we had, open one, so réparer. Réparer. D'accord? Alors, learning languages is asking, can you read only ré and ré? Ré, ré. Okay, so you open the mouth a bit more when you have the E sound and it goes higher. Voilà, voilà. Alors, attention, Strange 73, for this lesson, once again, I invite you really to open a tab and write that in an online dictionary. So it will be good for you because basically you will have your list at the end of the thing. And now the idea is really to focus on the pronunciation. So it would be too much information, I guess. So this is the reason why we have this type of exercises where I'm not giving the translation because in that case, you can search for that on your own after. And the other exercises, well, I systematically give the translation. Voilà, on y va. Regardez, regardez. Be careful. Once again, I will pronounce it twice. Répétez. Répétez. Write it, please. Alors, oui, it's getting better and better, so it's really good. So now we're getting somewhere. We are getting somewhere. So look at that. I was once again pronouncing this E sound, so the open one. So it was the B, I mean, option in that case. Répétez, open, hein? E. So one more time, I will pronounce the two, the first one, which is in fact exactly like the others. E-R, E-Z, E accent aigu, E, it's the same pronunciation, it's this E sound. Répétez. So it's quite interesting because you have the same sound pronounced three times in a row. Répétez. It's the same. D'accord? Then, after that, we have the one that we were looking for. And in that case, it will be interesting because we'll have two times the E. And the last one will be E, open. So listen to me. Ré, P, T. D'accord? Ré, P, T. So one more time. The first one, it was répéter. And then the second one, it was répéter. Allez, on y va. Numéro 4. Numéro 4, same thing here. I will just read that. Hop là. So two times. Chanter. Chanter. Allez-y, write it, please. Eh bien, voilà, we are starting to reach the perfection now, together, oui! Alors, so we agree that, yeah, it's really good, so almost everybody, I guess, at least from what I saw, you've been writing properly the word or that we were looking for, so in that case, it was the first one, d'accord? So, EZ, it's exactly the same sound as we had previously, ER,
E accent aigu, E accent aigu, E, etc. So it's not the open one, it's the E sound. So chanter, d'accord? Chanter. The second one, so one more time. We'll cover once again the two options. So this is the one, hein? Once again, chanter, d'accord? The second one, open sound, chanter. D'accord? So it should be clear now, at least I hope. First one, chanter. Second one, chanter. D'accord? Allez, on continue. Edgley, quel est le jus aujourd'hui, Vincent? Alors aujourd'hui, Edgley, c'est orange mandarine. Voilà. Orange mandarine. Numéro 5, on y va. I will pronounce it twice too. Be careful. Fermet. Fermet. Please write it. Eh bien oui, cette musique joyeuse, papa, félicitations. So from what I see, everybody has been hearing properly and writing the proper version. So this is the one that we were looking for. And by the way, let me give you that just for you. So this is interesting because in five little steps, we've been reaching perfection. Bravo. So this one was fermé. Look at all the options, in fact. Hop là. First one is once again the close sound. So the close E. Fermé. D'accord. Fermé. And then the second one. The open one that we want to look, it was fermé, d'accord? Fermé, d'accord? I tend to emphasize a bit too much, but it's a better way to try to dissociate them. Voilà. Allez, on continue. Merci beaucoup. Check the mic and make sure it sound right, boys. Alors, let's have a little quiz, just to have some fun. Des chiffres sur les Français. So we'll see together. Ah, Stardust, bonjour Vincent, bonjour à tous. Je suis très fatigué, mais je vais participer. Go easy, Stardust. Hein? You can listen, it's totally okay. Alors, let's have a look at the first one. The first one, regardez. Combien la France compte-t-elle d'habitants? So of course, if you want to open a new tab and try to find the numbers, it's possible, don't worry. It's just to have a little, a fun time. So combien la France compte-t-elle d'habitants, à votre avis? Alors, Cheryline nous propose 65 millions. Cheryline avec un S, le million. Hein. Yossi qui dit 60. Learning a language. Oh non, je déteste les chiffres. It will be fast. This one.
It's just after the pronunciation, it was to give a little... un petit peu d'air, un peu d'air frais. Cosmina 60. Rabi qui nous dit 50. Anvi qui nous dit 65. So I've got some new. By the way, it was based on an article that I saw today, so it's fresh news now and fresh numbers. So we'll see. I mean, the numbers from attendez, 30 milliards, nous dit Hillary. C'est beaucoup. Hillary, ce n'est pas raisonnable. Non! Alors, on regarde, Meditator, you are the one, and Felipe, it's good. Allez, so there were some stats that have been done, I mean, recently. They're covering, in fact, because it always takes a long time to have some proper numbers, but it was in 2019. Donc en 2019, hein. 2019, la France compte 67 millions d'habitants. Donc 67 millions d'habitants. Let's have a look at the numéro 2. Le numéro 2, combien de naissances il y a eu en France en 2019? Just drop some random numbers if you don't know. As I didn't. À votre avis, combien de naissances il y a eu en France en 2019? Allez-y. Alors, Roman nous rejoint. Bonjour, bonjour, Roman. Evelyne Eve nous rejoint. Bonville Lover aussi. Mon Dieu, n'oubliez pas de cliquer sur le like, s'il vous plaît. Alors, les naissances, c'est intéressant. Il y a aussi qui nous dit, est-ce que c'est 15 ou 150 000? Je ne sais pas. Ice Cubes, 3 millions. C'est énorme. En une année. Ah, peut-être. Ah, je ne sais pas. Après, c'est beaucoup. Hillary qui dit 50. Je ne sais pas ce qui se passe avec Hillary aujourd'hui. She wants to play Hillary. And it's a good thing. It's a good thing to be in a good mood. Alors, look at that. This is just for your information. Ashwati qui dit, je ne sais pas. Rupa qui dit, beaucoup. Et Sundar qui dit, aucune idée. Il y a eu 753 000 naissances en 2019. So I was thinking about doing some kind of exercise with the numbers, but then why not? I mean, ah, regardez Cosmina, effectivement. Cosmina qui a cherché. Oh, ça sent le copier-coller. Alors, numéro 3. Numéro 3, regardez. Ça, c'est intéressant. Quelle est l'espérance de vie des femmes en France en 2019? Imaginez. Ça, c'est très intéressant. Quelle est l'espérance de vie des femmes en France en 2019? Proposez-moi quelque chose. Alors, je regarde Yulia qui dit 67. Yossi qui est un homme très optimiste. Très optimiste! 97. Il a retiré Learning Languages 70. Cheryline 80, je ne sais pas. Mais c'est ça qui est intéressant. Et jeudi. Alors, attendez. Ah non, je croyais qu'il y avait... Oui, Luciana. Luciana, bravo. Alors, regardez. Et ça, c'est très intéressant. L'espérance de vie des femmes en France est de 85 ans. Donc 85, hein, c'est quand même pas mal. C'est pas mal. Et alors là, regardons, bien sûr, petite comparaison très intéressante. Quelle est l'espérance de vie des hommes en France en 2019, hein? Donc 85 pour les femmes et les hommes, à votre avis, c'est combien? We'll be right back.
Ah, pardon, Ice Cube, excusez-moi. 400... Non, Ice Cube, je reste avec le 3 millions de bébés que vous avez proposé. C'était énorme, énorme! Et voilà, et donc, eh ben les hommes meurent plus tôt. Mais les hommes ne sont pas courageux. Ils disent, allez, c'est bon, j'arrête tout de suite. Je meurs à 79 ans. Eh bien, voilà. Et après, les femmes peuvent être finalement un petit peu joyeuses sans avoir à subir ces hommes. 79 ans, c'est incroyable. Dernière chose, la cinquième chose, regardez. À votre avis, est-ce qu'il y a de plus en plus ou de moins en moins de mariages en France? À votre avis, quelle est la tendance? De plus en plus de mariages ou de moins en moins de mariages? Alors, Ice Cubes, les bébés n'arrivent pas en faisant des bisous. Ça n'a jamais été prouvé. Non. Bonjour, Tapèche. Bonjour. Alors, oui, eh bien, nous sommes d'accord. Hein. La tendance, c'est que, et c'est intéressant, le maximum, eh bien, c'était en 1972. Depuis 1972, ça descend. Depuis 1972, il y a de moins en moins de mariages en France. En 1972, il y avait 422 000 mariages. Et en 2019, il y a eu 227 000 mariages. Ça descend sérieusement. Alors, Vaishavni, sir, do you teach French from beginner to advanced level? Yes, I do. And this is my great pleasure and great honor. Alors, we've been starting that last week, I guess, or maybe this week, I don't remember. It goes fast. Ice Cubes, qui paiera les salaires des anciens? Ice Cubes, we know that we'll have to work until we die. I mean, this is just one fact that we need to accept now. This is the only way. Allez, so in that situation, I will read the sentence. Don't look at the translation if you just want to work on the understanding and as a dictation. D'accord? Allez, Loana suicidaire. Sylvie Ortega Munoz donne des nouvelles peu rassurante. Loana suicidaire. Sylvie Ortega Munoz donne des nouvelles peu rassurantes. Write the missing words, please.
Alors, je vois que ça commence à arriver. So I can see that you're starting to write the things. Be careful. So the first one, I mean, it's not a nice word. It's an adjective and it's suicidaire. So you write it S-U-I-C-I-D-A-I-R-E. And like all these adjectives ending with "e", like that, it means that it will be exactly the same form for, in that situation, for the masculine and the feminine. So masculine is suicidaire, ending with "e", and then the feminine will be exactly the same form. So suicidaire. Second thing, it was substantive, so nouvelle. In that case, you should definitely put the plural form, so N-O-U. V-E-L-L-E-S. Des nouvelles. And rassurante, so it's the adjective that is connected to nouvelle. So keep in mind that nouvelle is feminine and it's plural. So it means that you will have to add at the end of rassurant. Rassurant is the basic form. So you just add the E in the end and the S. Rassurante. D'accord. On y va, Loana suicidaire. Sylvie Ortega Munoz donne des nouvelles peu rassurantes. So if you want to know who this person is and what's going on, once again, retype the title and then you will see the article. It's on Voici. Voici, it's this People magazine that we have in France, one of them. Allez, let's check another news from this magazine. Let's go for it. I will read it. Don't look at the translation if you just want to work on the dictation. Nicolas Sarkozy appelé par Emmanuel Macron après sa condamnation, ce qu'il se serait dit. Nicolas Sarkozy, appelé par Emmanuel Macron après sa condamnation, ce qu'il se serait dit. Allez-y, write the missing words, please. Alors, Gloria nous rejoint. Bonjour, Gloria. It's in English and in French today. Don't worry if you're a bit late. It does happen. Alors, let's look at what you're writing. And yeah, it's quite good, in fact. So the first one, appelé, should definitely be with the accent aigu on the last E. Appelé, donc A-P-P-E-L-E, accent aigu. After that, it's a substantive. So condamnation, it's a tricky one. Look at it. So look at the way it's written. C-O-N-D-A-M. But you don't pronounce the M, in fact. N-A-T-I-O-N. So you pronounce condamnation. D'accord? You don't pronounce the M at all. Condamnation. And the last one, it was D. And D, in that case, it should definitely be the participe passé. So the past participle, D-I-T. Ce qu'il se serait dit. Allez, numéro 3, numéro 3, another person that is extremely useful for the society, Nabila. If you don't know Nabila, take the time to look at her. Alors, Nabila, cette information que sa grand-mère, Livia, préfère lui cacher. You can feel that there is a drama in this news. Nabila, cette information que sa grand-mère préfère lui cacher. Please write the missing words. Alors, you're
Things are starting to arrive. So I'm looking at Cosmina, préfère grand-mère. Oui, très bien, ok. So first one, grand-mère. Hein. Grand-mère, normally you should put this trait d'union between grand and mère. Don't forget to put accent grave on the top of the first E in mère, hein, mère. And it's really open, the sound. After that, it was the verb préféré. So préféré, in that case, you conjugate it in the third person of the singular of the present. And it's préfère. Hein. Look at the accent. First, you put the accent aigu, pré, and then faire, accent grave, r, préfère. And, well, I mean, it's not a surprise. The last verb should be an infinitive because it's coming after préfère, that is conjugated. So, cacher, cacher should be in the infinitive form, C-A-C-H-E-R. So, let's go for the full thing one more time. Nabila. Cette information que sa grand-mère, Livia, préfère lui cacher. So whether we're talking about Nabila or then Loana or all these persons, I mean, they are stars from the real TV. So if you want to discover them, please be my guest. You go to Voici.fr or any other People magazine and you will find them. But they're extremely popular in France right now. Numéro 4. Attention, and in that case, we're talking about this, well, cooking show on TV. Attention, c'est Top Chef. Top Chef, qui est le candidat éliminé à l'issue du 4e épisode? Top Chef, qui est le candidat éliminé à l'issue du 4e épisode? Please write the missing words. Alors, I must be honest now, because clearly I've been noticing that we're like around 90-95% watching, but then I've got only 62 likes. So please click on the like if you didn't have the chance right now. So go for it, it's really nice. The idea is, of course, to try to reach a 100, and we should be able to do that, but only if you click, obviously. Allez, let's have a look at the words we were looking for. The first one is candidat. Candidat in that case, as you can see, it's the masculine form. So it's written C-A-N-D-I-D-A-T. T, final T, not pronounced, but still it should be here. Then, issue, it's interesting, you don't see it here, but it's a feminine word, d'accord? Issue, so you write it I-S-S-U-E. And the last one, it's épisode. Épisode is a masculine word and it's written E, accent aigu. If you've got the accent on your keyboard, put it because it would be nice. P-I-S-O-D-E. Épisode. So one more time. Top Chef. Qui est le candidat éliminé à l'issue du 4e épisode? Top Chef is quite popular still. I mean, I don't really know. I mean, what season it is because it's been there for quite a long time. Numéro 5. Ice Cubes. Mais les gens vraiment parlent sur ces personnes là-bas. Ice Cubes, like everywhere, you've got some persons who want to talk about them and others, like me, who don't really know who they are. So, c'est comme ça, c'est la vie. Numéro 5. Attention, and now we're talking about two interesting persons. So the first one, Arthur, is, I guess, a producer and he's doing some shows for the TV. And Mareva Galanter used to be a Miss France. And I guess they got married. Voilà. Attention, dictation. Don't look at the translation if you only want to work on the dictation. Arthur. Mareva Galanter
publient un tendre cliché de leur couple pour son anniversaire. Mareva, galanteur, publie un tendre cliché de leur couple pour son anniversaire. Write the missing words, please. Alors, Julia, I don't really understand your question because the first one doesn't exist. So, episode would sound extremely, extremely strange. So, it's not possible. I mean, that's the reason why we have the accent episode. Alors, let's have a look at the things that we were looking for. The first one is publier. Publier, it's a regular verb from the first group. So in that case, we need to conjugate it for the third person of the singular. So publie, P-U-B-L-I-E. Final E not pronounced, but still it should be here. After that, couple. Well, this one is quite simple. I mean, you've been writing it extremely properly, so it's masculine. Un couple, you write it C-O-U-P-L-E. And the last one, it's anniversaire. And remember that anniversaire is not anniversary, but it's really birthday in French. Huh? So anniversaire masculine, and you write it A-N-N-I-V-E-R-S-A-I-R-E. And one more time, this incredible news! This is what I love with these magazines. Arthur, Mareva Galanter publie un tendre cliché de leur couple pour son anniversaire. Merci beaucoup. Alors, Stella is joining us and Nikki is joining us too. Bonjour, bonjour. Well, we'll change the exercise quite soon. Le roman d'un tricheur. So don't forget to click on the like if you didn't do it yet. It's probably one of my, it's maybe not my favorite French movie, but one of my favorite French movie. I could watch it over and over. I've been watching it a lot of times. It's this incredible movie from Sacha Guitry, Le roman d'un tricheur. Incroyable! Alors, Dark Tainer va se reposer. Au revoir! Allez, and this one is not philosophical either, but still it's quite important. Aimez-vous la soupe et pourquoi? Aimez-vous la soupe et pourquoi? Please write me a sentence. Alors, I don't know if I... Stella, bonjour. Nikki, bonjour. Sylvia, bonjour. Et... Skate Crisis, c'est notre ami Laurent. Bonjour Laurent, comment ça va? Et Laurent nous dit, ça fait grandir et on en a besoin. On en a besoin. Julia, ok. Ice Cubes, tu aimes ce mot incroyable? Oui, j'adore. Fatima, j'aime la soupe en hiver. Fatima, don't forget to write soup with a final E. It would be nice. Learning languages, j'aime la soupe parce que j'aime de la nourriture chaude. Yesero, oui, j'aime bien la soupe au poulet car elle m'aide à guérir. Mercurialman, j'aime la soupe car c'est très facile à faire et délicieux. Et délicieux. Nikki, oui, c'est délicieux. Eh oui. Gloria, ça te garde au chaud, mais avec du vin, bien sûr. Ah, ça dépend. Hein. Les deux,
comme ça. Soukania, oui, vraiment, je l'aime car c'est facile à digérer. Hillary qui dit, oui, j'aime la soupe en hiver, c'est facile à faire. Passant, la soupe est une est très nous, oui, nutritive peut-être et me rend chaud. Luciana qui dit, j'aime la soupe quand il fait froid. Rupa qui dit, c'est très rafraîchissant. Are you sure? Ah, pas pour moi, personnellement. Bombay Lover, seulement si c'est totalement lisse. Ah, vous mixez, d'accord. Vous slat, oui, j'aime beaucoup la soupe car elle est délicieuse. Ben, c'est vrai. Ice Cubes, oui, j'aime la soupe, mais pas en été. Monique qui nous dit, car c'est facile à faire. Anvi, oui, c'est franchement effarant parce qu'il est très délicieux et également salé, c'est vrai. Victoria, j'aime beaucoup la soupe car elle est très légère et la digestion est bien faite. Stardust, j'aime la soupe, mais il doit faire très froid dehors. Donc je ne la mange qu'en hiver. Cosmina, oui, j'aime beaucoup la soupe car elle se prépare facilement. C'est un produit plein de nutriments. Ah bah oui, c'est vrai. Denora, oui, car je peux mettre tous les légumes et avoir un bon dîner. Ah oui, une bonne soupe, c'est délicieux, délicieux. Ilmondo, j'aime la soupe de légumes. Et ça, je comprends. Olga qui dit, oui, j'aime la soupe, c'est très délicieux et quand c'est bien préparé. Cassandra, oui, j'adore la soupe, spécialement les soupes de noodles. On dit des nouilles en français. Roman, oui, j'aime parce que c'est très bon pour notre corps et ça contient beaucoup de vitamines. Yulia qui dit, ça dépend quelle soupe. Yossi qui dit, j'ai l'habitude de dîner avec de la soupe, j'aime ça. Athé, oui, la soupe est très bonne pour votre estomac. Stella qui nous dit, oui, c'est un repas délicieux pour prendre au dîner. Yann Arte, j'aime la soupe parce qu'il y est, parce que c'est très nutritif. Merci beaucoup. Allez, don't forget to like and share. It will be extremely, extremely challenging today or what? So if you didn't click on the like, please do it. And just for the pleasure of Jean-Luc Godard, incredible director. Not my favorite, but still, I mean, he's been doing some interesting movies. Allez, écoutez bien, let's continue. I will make you suffer one more time. But then in that case, let's try to see together. Yes, we will work on the difference between the je and the sh. D'accord? So as you can see here, je, sh. So let's have a look. I will read it. Remember, please write the full word that you heard. And for this exercise, I will just read it once. Cache. Alors, oui. So far, so good. So it was the second one, the one with the C-A-C-H-E, ch-ch-ch-e, so it was cache, d'accord? So one more time, I will pronounce the two, and then remember that, as I said previously, if you don't know these words, and if you don't know the meaning of these words, well, take the time to write them or to put them in a dictionary and make yourself a list of all the new words you discover, d'accord? So the first one is cage, je, remember? Je, cage, d'accord? And the second one second, the blinking one, B, it's cache, ch. So the first one, je, the second one, ch,
D'accord? So one more time. The first one, cage. And the second one, cash. Allez, let's have a look at numéro 2. It will be exactly the same thing. I will just pronounce it once. So be careful. Rocher. Et oui, et je dis bravo, bravo, bravo. So it seems that these two sounds, it seems to be quite okay. So yes, in that case, we're looking for the second one, rocher, ché, ché, ché. So one more time, we'll just take the time to pronounce the first one, roger, roger, je, 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 je. And the second one, rocher, ché, 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 ché. Roger, first one. Rocher, second one. Allez, let's have a look at numéro 3. Numéro 3, same thing. Be careful because I will pronounce it only once. Haché. Alors, bah très bien, il n'y a pas de problème, hein, Yossi, c'est incroyablement facile. And it's good, if it's easy, then it's a good sign, it means that we don't really need to waste too much time on it. So the first one, âgé, je, oui, voilà, âgé, blinking. And then the second one, haché, ch. So as it seems to be quite okay, we'll try to go fast now. It will be just a formality, like we say. Be careful one time and then you'll write it léger. Ice Cubes qui dit oui, on doit faire plus de « et » et de « et », but Ice Cubes were doing that every day. Since I've been spotting the little problem, we have been doing that every day and we will continue because it's not really clear again. Hein? Alors oui, hein, so it's clear, it's good, so it means that this one, we won't stay too longer on that. So it's léger, léger, it was good for everybody. So let's go for the next one and the last one. Numéro 5, voilà, only one time, hachi. Alors, oui, hein, it seems that now it's clear for almost everybody. So it was the second one, achi, d'accord? The first one was agi. Agi, first one, once again, right here. Agi, je. And then the second one, it was achi, che. Well, that's it. So this one was quite simple. Youpi, youpi, félicitations.
Alors, if you've been enjoying Le Père Noël est une ordure, this band, I mean called Le Splendide, they made some, well, quite many movies, and Les Bronzés font du ski is one of them. And I've got a great friend, Alex, and he's a big fan of this movie, which is quite funny, in fact. Allez, trouvez une phrase, look at the picture and then try to write me one sentence connected to the picture. Merci. Alors, hachis, aussi le hachis, les hachis. Donc, ça répond à votre question. Alors, oui, Gloria qui dit une réunion de famille rare. Passant qui nous dit c'est une fête. Ensuite, la famille est assise pour manger, d'accord. Sylvia qui nous dit il mange. Yesero, une famille musulmane qui fait le ramadan. Soukania qui dit une famille qui prend le repas ensemble. Monique qui dit c'est la nuit de Jésus. Yossi qui dit toute la famille se rassemble. Attention, c'est rassembler autour de la table pour le repas. Felipe qui dit un bon dîner en famille. Fatima qui dit une famille qui est ensemble. Stella, ils dînent ensemble en discutant de quelque chose d'intéressant. Très bien écrit. Anhui Kim qui dit les familles musulmanes mangent leur délicieux, ou la famille musulmane mange son délicieux déjeuner. Hilary qui nous dit une famille célèbre un anniversaire. Attention Hilary, masculin, un anniversaire. Vouslat, toute la famille déjeune ensemble. Stardust, c'est agréable de manger ensemble à la fin de la journée et de parler de la journée. Luciana, la famille célèbre une occasion spéciale. Meditator qui nous dit que c'est un dîner au Maroc. Roman qui dit cela montre l'unité d'une famille quand ils se réunissaient et mangeaient ensemble, eh oui. Victoria Possé, c'est une famille qui fête le ramadan. Denora qui dit la famille est ensemble. Sophia X qui dit la famille se célèbre ou célèbre la fête du père. Florie qui nous dit c'est une famille qui mange. Olga, ils mangent leur dîner. Thanksgiving, ah si vous voulez. Si vous voulez, Julia, noir, blanc et violet, les couleurs de la mode de cette saison, ok. Il Mondo, la famille mange heureusement leur repas. Et Yossi qui nous dit, il n'aime pas la soupe. Alors pardon, Cosmina qui disait, une famille unie qui prend le dîner dehors ou à l'extérieur. Allez, une petite phrase, s'il vous plaît, pour commenter ou décrire. So try to write sentence connected, whether you describe or then you comment the picture. Alors, Bébé Moët, il fête mon anniversaire aujourd'hui. Is it your birthday, Bébé Moët? Can you confirm the fact that it is your birthday? You say oui, c'est mon anniversaire, or then non.
Alors, Luciana, I will do my best. I will do my best. I just need to remember this. The problem is not to make it. The problem is to just remember doing it. I will do my best. If it's not coming tomorrow, I mean, remind me that. Oh, Bébé Moët is confirming the fact that it's Bébé Moët's birthday. So... Allez, joyeux anniversaire, Bébé Moët. Alors, let's have a look at the things that you've been writing. Passant, une dame est à la piscine. Très bien, Julia qui dit qu'elle a de la chance de nager dans la mer violette. Denora qui dit « Je suis seule toujours ». Stella, il s'agit d'une femme qui se repose sur la plage en bavardant avec quelqu'un sur Skype. Romain, elle nageait, mais maintenant elle vérifie ses médias sociaux. C'est probablement ça. Yesero, elle profite des rayons de soleil. Très bien. Stardust, le téléphone portable est votre compagnon constant, même pendant les vacances. Merci. Allez, numéro 3. I am so, so disappointed when I'm looking at the likes. We've got only 83 likes. What's going on? What's going on? Allez, the usual, please try to write me a sentence connected to this picture. Alors, regardons. Anne Vikim qui dit elle est en train de regarder le poste de sa femme Nicolas. D'accord. Ah oui, c'est vrai que Nicolas, ça peut être un nom de femme. Yeah, it's because Nicolas is the name of my son, so I always think that it's only for a boy, but no, it can be for a lady too. Monique, il parle avec sa mère, d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Pour l'instant, Rupa dit joyeux anniversaire, Bébé Moët, tout le monde souhaite un bon anniversaire. Yossi, il écrit une lettre à sa petite amie, sa petite amie. Sophia X, il écrit une lettre d'amour en parlant avec son amoureuse. Roman, il écrit à sa bien-aimée car elle lui a beaucoup manqué. Luciana, le fils ou la fille écrit une lettre à sa mère qui vit loin. Denora, l'homme suit les directions, d'accord ? Ilmando, un amoureux, écrit une lettre à son amour. Yesero, il écrit une lettre à sa petite amie. Cassandra, l'homme écrit une lettre d'amour pour sa petite amie. Hilary, elle lui manque, il lui écrit une lettre. Flori, c'est un homme qui écrit une lettre à sa femme. Aidan, il écrit une lettre. Passang, monsieur écrit une lettre à sa copine. Et... Olga qui dit « Il a un grand crayon !» C'est vrai. Ah, c'est vrai. Mais il a une grande lettre aussi. Stardust. Aujourd'hui, il est très facile de rester en contact via WhatsApp. Mais je pense que les lettres sont beaucoup plus jolies. Vouslat, un jeune homme écrit une grande lettre d'amour à la femme qu'il a vue à la télé. Rupa, c'est un homme qui écrit une lettre. Cosmina, l'homme fait une analyse de physiognomie. Qu'est-ce que c'est? Regardant la photo de sa femme. Ah, physionomie. Ah mais oui, vous ne l'avez pas bien écrit. Ensuite, Cheryline, l'homme est confiné à une relation épistolaire à cause de ses insécurités face à son anisme.
Mais peut-être qu'il a des accessoires qui sont très grands. Peut-être que c'est un homme qui a une taille normale, mais qu'il a des accessoires très très grands. Allez, écrivez-moi une phrase, s'il vous plaît. I was sure that Cosmina was here. Non, monsieur. Alors, physiognomonie, étude du tempérament et du caractère d'une personne à partir de ses traits, de ses expressions du visage. Merci. Alors, regardons Sylvia qui nous dit, elle écrit un livre. Soukania qui dit, je pense qu'elle se prépare pour son grand examen. Anne-Vie, elle est en train d'écrire une lettre d'amour pour son copain. Peut-être. Passang, elle pense écrire dans son cahier, oui, si vous préférez, dans son cahier. Dénora qui nous dit, elle a beaucoup de pensées à enregistrer. Hilary, une fille, écrit. Écrit sur, à propos de sa journée, dans son journal. Vouslat, la jeune fille, écrit dans son journal, oui. Luciana, elle essaye de se rappeler ses activités pendant le jour. Yesero, elle pense au garçon qu'elle a rencontré cet après-midi, qui a fait rebondir son cœur. Roman, elle pense à ce qu'elle devrait écrire en premier. Flori, c'est une belle fille qui écrit dans son journal. Sophia X, elle écrit dans son journal des choses heureuses, au pluriel, et tristes. Ensuite, elle écrit quelque chose. Monique, elle pense... elle pense à ce qu'elle a fait pendant la journée. Aidan, elle pense à quelque chose. Olga, elle écrit... dans son journal intime, peut-être. Fatima, elle écrit dans son journal. De Stardust, un journal intime est quelque chose de beau, et plus tard, une fois, un beau souvenir. Il Mondo, elle écrit ou elle décrit toutes ses émotions de la journée. Yossi, elle réfléchit à ce à quoi écrire dans son journal. Très bien. All my admiration for you, Vincent. Non, I don't need to be admired. Trust me, I do my job. Meditator, but it's thank you very much. It's really nice. Meditator, elle réfléchit à sa journée. Felipe, elle fait du brainstorming. Et bébé mouette, mon thérapeute a dit que je devais écrire mes idées. Ah, les thérapeutes. Parfois, on ne devrait pas les écouter. Je ne sais pas. Cosmina Belle ou cette fille, c'est moi en ce moment. Mais au lieu d'un cahier, j'ai devant moi un portable. Très bien. Allez, la dernière. So the last picture. So one sentence, please.
Alors, pas song, diary in French. Well, you got two options. You could go for journal or then journal intime. That would be the other possibility. Victoria, Jacques qui nous rejoint. Coucou! Allez, Soukania qui nous dit « Elle arrose les plantes ». Passang, elle arrose les fleurs. Anne-Vikim qui nous dit « Elle arrose les belles fleurs ». Alors, Julia, ça n'est pas un tournesoul. Le tournesoul n'existe pas encore. Le tournesol, S-O-L, existe. Florie, la fille, a ramassé des fleurs. Vous, Slat, la jeune fille adore les fleurs et les arrose. Bébé mouette, grandissez, s'il vous plaît. Ah oui, mais le tournesol est très, très grand quand même, déjà. C'est peut-être pas possible d'être plus grand. Après, ça fait peur. Sophia X, elle arrose les fleurs avant de partir au travail. Passang, je vous en prie. Mercurial Man, une dame arrose ses fleurs. Denora qui nous dit, la femme apprécie son jardin. Yossi, elle aime bien les fleurs et elle les arrose. Yessero, elle arrose les fleurs que son petit ami lui a données. Romane, elle donne de l'eau à ses belles adeptes parce qu'elle aime les vers. À ses belles fleurs, vous voulez dire? Sylvia, elle arrose les plantes. Victoria Possé, une femme heureuse, prenant soin de ses plantes et de son jardin. Luciana, elle prend soin de ses plantes. Oui, c'est S.E.S. Stardust qui nous dit, quoi de plus agréable que de se consacrer à son passe-temps? Cette femme aime ses plantes. Stella, elle cultive les fleurs très bien parce qu'elle adore. Ah, elle les adore dans le jardin. Ilmondo, elle aime bien être une fleuriste. Olga, elle arrose les plantes. Cosmina, cette fille, c'est moi encore dans mon jardin. En été, parmi mes fleurs, attendons leur floraison. Bah oui, c'est joli quand ça fleurit. Sauf pour les personnes qui sont un tout petit peu allergiques à certains pollens. Monique, elle joue ou elle s'amuse à arroser les fleurs après l'école. Hilary, le tournesol sera plus grand que la femme. Ah, ça fait peur, ça fait très peur, it's so scary. Fatima, elle se déstresse avec les fleurs. Merci beaucoup. Alors, Robert Bresson is a big director in a French movie history. So, Mouchette could be one option. And then there are quite many other movies that he's been doing. But then don't forget to click on the like because it seems that we won't reach the 100 and I will probably cry. Alors, we've been covering the people... things, and now it will be des nouvelles de France, and I thought that it might be interesting one more time to well look at this newspaper, Le Parisien. So if you want to read the news that we will see, because we'll only see the titles in that case, you can go to Le Parisien and have a look at these informations. Don't look at the translation in English if you only want to work on the dictation, and I will start the reading. Jean-Christophe Lagarde, le patron de l'UDI, en garde à vue pour détention d'armes. Jean-Christophe Lagarde, le patron de l'UDI, en garde à vue pour détention d'armes. So write the missing words, please. Thank you.
Alors, let's have a look at the things that we're looking for. The first one is patron, patron. Hein? We write it P-A-T-R-O-N. It's a masculine word in that case. Feminine form, as Denor has been writing, it's patronne, d'accord? But it would be for a lady, and in that case, we're talking about Monsieur Jean-Christophe. So it should be the masculine P-A-T-R-O-N. N. After that, the expression is garde à vue. Garde à vue, it's when police will put in custody somebody. So, garde, in that situation, you write it G-A-R-D-E. Une garde à vue. Une garde à vue. And the last thing, it was a substantive, and it's détention. So, détention, it's a feminine word, obviously, because it ends with E-O-N. Remember that the words ending with E-O-N are feminine. Une détention. The way to write it properly, D-E-T-E-N-T-I-O-N. Détention. Jean-Christophe Lagarde, le patron de l'UDI, en garde à vue pour détention d'armes. So one more time, if you want to look at the news, you go to leparisien.fr and then you will see this news and you can try to read it. It's quite interesting. So let's have a look at the second one, which is extremely, extremely sad, and something is happening actually in French society that is a bit scary, but well, this is the second news. Don't look at the translation if you want to work on the dictation. Alisha, 14 ans, tuée à Argenteuil. Les deux adolescents mis en examen pour assassinat. Alisha, 14 ans, tué à Argenteuil. Les deux adolescents mis en examen pour assassinat. Please write the missing words. Alors, let's have a look at, the three things that we're looking for. The first one, unfortunately, it's not a nice thing, but it's tué. And tué should definitely be in the feminine form because it refers to this young lady, Alisha. So Alisha is or was a young girl, so it should be the feminine form. Tué, T-U-E, accent aigu, put the feminine form. After that, adolescent. So adolescent, let me look at the way you write it. In that situation, I was just pronouncing the masculine form, masculine plural, because in that case, this is the situation. So it's two boys. A-D-O-L-E-S-C-E-N-T-S. Adolescent. D'accord? And the last one is substantive, and it's masculine. Same thing, it's not really a nice word, but still, this is the news. So, assassinat. So, look, it's extremely rich with the S. Hein? A-S-S-A-S-S-I-N-A. And it's masculine. Alisha, 14 ans, tuée à Argenteuil. Les deux adolescents mis en examen pour assassinat. Allez, let's have a look at numéro 3. Numéro 3, same thing here. Don't look at the translation if you just want to work on the dictation. Petro is joining us. No worries if you're late. Don't worry about that. Aérien. Après l'expérimentation d'Air France vers un pass sanitaire pour voyager.
aérien vers l'expérimentation d'Air France vers un pass sanitaire pour voyager. Allez, please, write the three missing words. Alors, I can see that it's arriving. So, let's have a look. The first one is expérimentation. It's extremely long, so I won't spell it. I am too lazy. Alors, expérimentation, one more time. Well, it's a word in yon, so it means that it's a feminine one. Second one, it's an adjective and it's sanitaire. So, one more time, this sanitaire will be this adjective that will be exactly the same for the masculine form and the feminine form. It doesn't change. So, S-A-N-I-T-A-I-R-E. And the last one, it was voyager, so voyager, obviously. Verb, infinitive form, V-O-Y-A-G-E-R. And so the news was aérien après l'expérimentation d'Air France vers un pass sanitaire pour voyager. So same thing here, if you want to read these news, don't forget to go, you can go to leparisien.fr and then have a look at the article. Numéro 4, same thing here, I will read it twice and try to find the missing words. Île-de-France, fermée à cause du Covid, des clubs de sport basculent dans la clandestinité. Île-de-France, fermée à cause du Covid, des clubs de sport basculent dans la clandestinité. Allez, write the things. Alors, regardons ensemble. Let's have a look together. The first thing, in fact, we're talking about club de sport. So if you look carefully, you can see that after, I mean, club de sport, in that case, it's the plural form. So it means that, in fact, fermé should be in the masculine plural. Masculine because club is masculine, but it should be in the plural form. So that's the reason why, of course, I don't pronounce it, but it should be there, because we are talking about club de sport. Fermé, so this is the reason why you should have E accent grave, S in the end. The second thing, it was the verb, verb basculer, regular verb from the first group, not really tricky, but then same thing here because it's connected to club de sport is plural, it should be the third person of the plural, B-A-S-C-U-L-E-N-T, bascule. And the last one, it's a substantive, as you can see, a noun, it's feminine and it's clandestinité. So you write it C-L-A-N-D-E-S-T-I-N-I-T-E, accent aigu. Île-de-France, fermée à cause du Covid, des clubs de sport basculent dans la clandestinité.
And the last one. Allez, the last one. This one is quite interesting because I like this actor, but then now he's starting to sing again. On y va. Let me read the thing. Gérard Lanvin chante pour les femmes battues. C'est important que les hommes s'engagent. Gérard Lanvin chante pour les femmes battues. C'est important que les hommes s'engagent. Allez, try to write the missing words. Alors, I'm looking at my thing and I can see that I only need 6 more likes to reach this psychological barrier of 100 likes. 6. So if there are 6 person in this group right now who didn't click on the like button, well, we could make it. We could make it together. Alors, let's have a look at the things that we were looking for. The first one is battu. Alors, battu, so it's connected to battre. Hein? Battre, it's to beat. So it's a verb. And then after that, if you start to use the past participle, it becomes battu. And it's also possible because quite many adjectives, in fact, are coming from the past participle. In that situation, this is the case. Battu as an adjective is coming from the past participle. Yet, the basic form is B-A-T-T-U, battu. In that situation, we need first to put the feminine form, and then we need to put the plural, because as you can see, femme is in the plural form. Les femmes battues. After that, well, important, in most of the cases, you write it properly. Yes, you do. Remember to keep it in the masculine form. Hein. Yes, hero, be careful. It's not important, but it's important. D'accord? I-M-P-O-R-T-A-N-T. Voilà. And the last thing, it's the verb s'engager. Hein? So reflexive verb, or pronominal verb, if you want. S'engager. Verb from the first group, not really tricky, and especially in that case, it's the third person of the plural, so engage, E-N-G-A-G-E-N-T. S'engage, voilà. Gérard Lanvin chante pour les femmes battues. C'est important que les hommes s'engage. Oh, I can see that we've got only 2 clicks to go, and then we can reach the 100. I would be so happy. Allez, traduction au passé composé. We start with the first one, and the first one is this one. I made mistakes. How could you translate that into French? Eh oui, nous y sommes arrivés.
Wow, well, it was a bit difficult today. I don't know, maybe it's me. Maybe I had the feeling that it was a bit difficult to reach the 100, but we did it. Merci beaucoup. Allez, let's have a look. So in that case, well, basically, we don't really have a lot of possibilities to translate that because the expression is faire des erreurs. So we should put that in the passé composé form. J'ai fait, d'accord, des erreurs. Yossi is giving the options of des fautes, which is totally okay, yes. J'ai fait des erreurs, j'ai fait des fautes. Luciana is going for se tromper. Alors, I could accept it, Luciana, because I think it's a good approach. Why not, in fact? But, because se tromper is a pronominal verb. It means that when you go for the passé composé or all the other compound tense, you will have to use être. Je, me. So we use the pronoun. Suis trompé. D'accord? Je me suis trompé would be one option. J'ai fait des erreurs. One other option. J'ai fait des fautes. D'accord? And then I'm looking at the things. Julia, why is it passé composé? Regular action? No. Well, you look back and you look at actions. Je faisais des erreurs. I've got the feeling that it's something that never stops. It's possible, but it's slightly different. Hein? Je faisais des erreurs. It's you don't stop. You just make that. And well, it's different, but in most of the cases, we consider that maybe you make some mistakes and it's not constant. Allez, on continue. So, I have sometimes been selfish, allez-y. Alors, oui. And Vikim is going for the present, which, well, basically it would be slightly different, in fact, because in the original one, I mean, the concept is to one more time go in the past. So, whether you will go for j'ai parfois été égoïste. Alors, after that, Kim is offering the imperfect. It's exactly the same thing as what I explained to previously regarding this thing. So, if you go for j'étais, I've got the feeling that it did last for a long time, but at least it lasted for quite a while. So, in most of the cases, we would go for the passé composé in that case. So, j'ai été égoïste. After that, ideally, you will squeeze the parfois between avoir and the past participle. J'ai parfois été égoïste. If you want to put it after, in fact, it's not really the end of the world and it's possible. J'ai été parfois égoïste. So it would be possible. Vouslat is going, j'étais égoïste de temps en temps. D'accord. Same thing here. I'd rather advise you to use the passé composé. J'ai été égoïste de temps en temps. From time to time. Because by definition, when you go from the from time to time, de temps en temps, it's not something that is constant. So it's like it's a bit strange to put the imparfait that clearly explains the fact that it's something that repeats itself or it's constant, and then put something that express the opposite, in fact. Donc, j'ai été parfois égoïste, j'ai parfois été égoïste, j'ai été égoïste de temps en temps, Denora, parfois j'ai été égoïste. Yeah, it's possible, all these things. Merci. Allez, on continue. Numéro 3. Numéro 3, let's have a look. I never meant to be mean. Thank you.
Alors, Dan Walsh, can you not put parfois at the start? It's, you know, when I mean, the rules, especially with the adverbs, in most of the cases, we can start with the adverbs. If you want to emphasize, if you want to really emphasize on this parfois, sometimes, well, the concept to emphasize on something is to put that in the first position. This is the only way to really emphasize on something. So, like when you say moi, je, you want to emphasize on your side. So this is one other way. But then, so if you want to really emphasize on the parfois, you put it first, and it's possible. Let's say that it's a bit less formal, but it's totally acceptable. Alors. Oh la la, it's incredible. Bébé Moët is offering a coffee when? Well, the day of his or her birthday. So it's incredible. Merci beaucoup, Bébé Moët. I like coffee and I like orange juice. Merci beaucoup. Thank you very much for the gift. Alors, let's look at what you... So, my option was, je n'ai jamais voulu être méchant. So, of course, we could put the feminine form, méchante. Cosmina is going for mauvais. Oui, it would be an option. Mauvais or then mauvaise would be an option. Je n'ai jamais, be careful. Julia, it's not vu, hein, it's voulu. It's the verb vouloir in that case. I'm looking at this. Sophia X, not bad at all. Je n'ai... Alors, j'ai jamais eu l'intention. It's totally acceptable. Remember, Sophia X, if you really want to put the formal form, je n'ai jamais. D'accord? If it's spoken, if it's not really formal, then in that case, no problem. Alors, attendez. Être méchant, méchante. Oui, ok, so everybody goes there. Hein. Allez, attention. Non, Yossi, there is never always. Never always, especially when you compare two languages, especially English and French, it's never, never always. Never. This is the point, sadly. Alice, I have always been honest about my feelings. How could you translate that into French? Allez-y, s'il vous plaît. Alors, Cheryline is the first one more time, and then Cosmina is right after. J'ai toujours été honnête sur mes sentiments. Yeah, I've got the same thing. Cosmina is going for, j'ai toujours été honnête en ce qui concerne mes sentiments, which is totally good. Hein. Sur, en ce qui concerne, it's quite good. Victoria Posse, j'ai toujours été honnête sur mes sentiments. Good. Julia, j'ai toujours été honnête. Remember, you should put the honnête in the correct form. De ce que j'ai senti, oui. Sentir, it's more like to smell. Ressentir, it's to feel. Ice Cube, j'ai toujours été honnête sur mes sentiments. Okay. Well, it seems that in most of the cases, yeah, everybody went for that. So, sur mes sentiments would be a good option. En ce qui concerne mes sentiments would be actually quite good. And then others like Yesero, Hilary. De mes sentiments, why not, honnête, de mes sentiments, it's not the first one, hein. Clearly it would be sur mes sentiments, en ce qui concerne mes sentiments, I thought that maybe somebody could offer à propos de, which would have been another option, à propos de mes sentiments, au sujet de mes sentiments, would have been possible too. D'accord? Allez, let's have a look at numéro 5. Numéro 5, I had to try to forget the past.
Alors, Eduardo, welcome, Eduardo. But then, unfortunately, I don't speak Spanish, so it's only English and French here. But then, welcome if you want to practice French. Bienvenue, Eduardo. Merci. Alors, on regarde, ça commence à arriver. So, the first thing is extremely difficult to negotiate, but then I had to try. J'ai dû essayer. Yes, Euro is good. Ah, why not? J'ai été obligé. Oui. Pourquoi pas, Yesero? It's okay. It could be possible, in fact. Dan Walsh, je devais essayer. I thought we should stay in the passé composé in that sentence because it looks a bit strange to put that in the imparfait. Well, it would depends on the context. Let's agree on that. So here, j'ai dû essayer. So the idea was to use the verb devoir to put that in the passé composé. So with avoir, j'ai, and then the past participle, dû. Don't forget the circonflex. Then the verb that comes after is essayer. I don't see any other any other things. J'ai essayé, non. Wait, everybody went for essayer, which is quite okay. Oublier, same thing. Difficult to negotiate this one. As you can see, it should be definitely in the infinite form. And then le passé. J'ai dû essayer le passé. J'ai essayé. Qu'est-ce que c'était, Yesero? I'm looking at your thing. I don't see you, Yesero. Yeah, j'ai été obligé d'oublier le passé, which is not quite good, Yesero. You could stick to this one. It's not not too bad. The été obligé, it's like I was forced. So I've got the feeling that I have been forced. So it's not really your sole decision. This is the slight difference between the two. Eduardo, how are you, my baby? Eduardo, I'm pretty sure that you're so young that you could be my son. And you're calling me my baby. This is so nice. Merci beaucoup, Eduardo. I am doing fine. And I hope that you're doing fine too. So don't forget to click, because it's always a pleasure to have all your clicks. And if you didn't have the possibility to watch this movie from Henri-Georges Clouzot, Quai des Orfèvres, it's incredible. It's so beautiful. It's old. I like black and white movies, but you've got really, really some good scenes there. And it's a really great movie. Allez, la vidéo du jour. La vidéo du jour. Well, as usual, I will give you one video. Let's hope it's working. Yes. And then try to describe it or to comment it with one sentence. We'll be right back.
Alors, Moustak qui pose la question. Petite question bête, Vincent, est-ce que tu fais aussi des cours avancés? Eh bien, en général, c'est le samedi. C'est un petit peu plus avancé. Et puis, hier, c'était aussi avancé. La différence, c'est tout simplement la langue, c'est-à-dire qu'on parle uniquement en français. Et on fait des exercices qui sont un petit peu différents. Yulia, sous le soleil de Satan. I was searching. Non, 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 it's not sous le soleil de Satan. Mais non, c'est Quai des Orfèvres. Quai des Orfèvres. Alors, regardons ensuite. Bébé Mouette qui dit « Oh là là, très doux ». Yesero qui dit « Les filles s'appliquent le maquillage sur leur visage ». Hilary qui dit « Les filles s'entraînent peut-être à se maquiller ». Denora. Et maintenant, nous sommes des étoiles. Eh oui, elles se maquillent. Ah, je regarde, c'est très très mignon. Surtout avec des gros pinceaux, hein, des gars. I mean, they're not joking with the equipment. Alors, Eduardo. Eduardo. Sorry, we have a lesson, Eduardo. I'm sorry. Soukania, l'amitié pourrait être le titre de cette vidéo. Eh oui. Yulia, elles se chatouillent toutes les deux. Il y a aussi deux filles qui essayent de se maquiller. Victoria Posse, deux petites amies essayant de se maquiller. Sophia X, deux filles se décorent le visage. Oui, et puis elle regarde comme ça. Anne Viking, elle joue avec le maquillage. Julia, Mouchette, je ne sais pas. Cosmina Bellouf, les parents vont avoir une surprise probablement. C'est toujours intéressant. Luciana, les petites filles s'entraînent pour être maquilleuses professionnelles. Maquillées, maquilleuses. Ils montrent donc une technique moderne pour faire de la peinture. C'est vrai. Cassandra, elles apprennent à se maquiller. Cherylyn qui dit « Les filles ont ensuite été condamnées à une amende pour leur non-respect flagrant des restrictions du Covid-19 ». Je ne sais pas. Bref. Oui, c'est difficile de se maquiller avec un masque, hein, Cherylyn. Ok, so let's continue with final word. Trouvez un mot. You know the exercise. It's simple. You see the picture and then you just give me one word. I don't want, please, any sentences. I just want a word. Allez, go for it. Alors, Julia qui commence avec un gâteau. Cosmina qui dit becté. Yossi pesé. Soukania deviné. Denora décidé. D'accord, maybe you should put the infinitive, but it's up to you. Yesero décidé, infinitive. Dan Walsh, une pomme. Victoria Posse, le doute. Attention, masculin. Sophia X, espoir. Masculin, un espoir. L'espoir. Luciana Moribé, une indécision, oui. Gloria, un équilibre. Eh oui, un équilibre fragile. Bébé Mouette, indécis. Monique, grossir. Be careful, it's from the second group, so IR. Roman, comparé ou comparant, d'accord. Mercurialman, chapasse.
Qu'est-ce que c'est, Mercurialman Chapas? Je ne connais pas Chapas. Qu'est-ce que c'est? Il Mondo, un gâteau. Hillary, un dilemme. Fatima, un choix masculin. Cassandra, confondre. Anne Viking, embrouillée. Très bien, merci beaucoup. Allez, s'il vous plaît, un petit mot, un seul, connecté à cette image. So try to find one word connected to this picture, please. Alors, regardons ensemble. Je vois la magie. Attention, Envy Kim, c'est la magie, ça n'est pas la magique. Roman magique, remember to write it, Q-U-E. Soukanya qui dit magicien, un magicien. Cassandra, oui, il y avait une petite erreur. Et there was a little mistake. Hein? I saw it, Cassandra, but it's okay, don't worry. Eduardo. Ah, si tu le penses, je t'invite à dîner milanais avec du vin. Eduardo, the concept, if you want to learn French, you've got to learn French on your own. I can help you, but it's something that you need to do it on your own. Hilary, une baguette. Luciana, magique. Victoria Posse, la magie. Dénora, un tour. Julia, un clin d'œil. Monique, un lapin. Eh oui. Cheryline, ptose. Cheryline, she's inventing some new words. I mean, this one, normally that was the specialty of Julia, but then Cheryline is joining the group. She's creating some new word. Ptose, qu'est-ce que c'est, Cheryline? Ensuite, Cassandra, lapin, bébé au mode, à la cocotte. Un bon lapin à la moutarde, à la cocotte, incroyable. Personnellement, j'ai une cocotte. Je n'ai pas de lapin là, mais j'ai une bonne recette de lapin à la moutarde. Yossi, ensorcelé. Fatima, une baguette magique. Yessero, un nœud. Faites attention. N-O-E-U-D. Nœud papillon. Il Mondo, la magie. Propos 5, un chapeau. Vous, Slatin, lapin. Gloria, un chapeau. Méditator, rusé. Mukhtar, bonjour. Bonjour, but it's the end of the lesson, Mukhtar. Next time, you should join 2 hours before. Olga Ruiz, un magicien. Et vous, Slat, un magicien aussi. Alors, and it's the end. But then I thought that, you know, let's take you with me and let's walk somewhere. So it will be your task to try to discover the city, and the answer will be for tomorrow. Tomorrow I will tell you exactly in what city we are going to walk now. But then thank you very much. It was really nice, and see you tomorrow at the same time if you want. But then now we will just enjoy a walk in a city, and it was before the mask, so people will have no mask. Merci, au revoir.